Ah! Ah! Yes. Fait un peu froid, mais... Ça vaut le coup. Tada! Ouh, il y a plein de massettes en bas. Ok, on va se bouger les fesses, on va aller récupérer tous les... Tous les baies et les machins, et après on rentre. Pas mal, pas mal. Un truc qu'on peut faire, ça serait... Bah du coup, le... là on a vu ce qui est bien, c'est dans le... comment ça s'appelle? La... En bas du creux, là, avec la rivière et tout ça gelé. On l'a pas fait ce côté-là, en fait, jusque ici. Parce que nous, on a pris la corde, donc on est pas descendu. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de massettes. Donc ça, c'est bien. On peut voir qu'il y a vraiment, vraiment plein de massettes si on veut aller les récupérer. On a un joli soleil. Oh, on va pouvoir faire du feu. Si on avait du bois. Très bien. J'ai toujours un peu peur de cet endroit-là, parce que je crois qu'on n'est pas vraiment allé là, hein. De ce côté-là. Si, faudrait que je regarde si on voit des massettes ou pas. Je pense pas qu'on soit allé de ce côté. Genre vraiment en bas et fouillé. On va rentrer parce qu'il fait quand même bien froid. Je crois qu'on va aller à notre deuxième camp et essayer de faire du feu par la loupe. Comme ça on fait de l'eau. Je pense. Ok, bâtiment de la prison de Blackrock. Ok. On laisse de l'eau là. Très bien. Il faudrait voir si on peut pas se faire... un loup. Est-ce que ça marche ici? Ça marche. Parfait. Parfait, parfait. C'est bête qu'on n'ait pas deux fait tout. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bête. Oui, arrête de crier au feu. Ah, très bien, 3 heures. On avait bien fermé la porte. Hein. Enfin, une des portes, en tout cas. Oh, so cold. Ah oui, oui d'accord. J'avais un peu oublié le détail qu'elle était complètement gelée, la dame. Pardon. Attends, j'ai fermé... J'ai pas ouvert, hein. Non, c'est... du coup tu m'embêtes. Du coup
que tu m'embêtes. On va faire ça après dans 6 minutes. On va attendre 6 minutes. On va boire ça et se réchauffer. Sinon, ouais. Sinon, c'est cool. C'est sympa. Ah oui, on va poser les objets. Au lieu d'attendre bêtement. Ah, j'ai pas pris les... Si, je les ai pris. Okay. Très bien. Ici, non. Ah, j'ai pas pris les plumes, par contre, je crois. Complètement oublié de prendre les plumes. Hop. Ok. C'est bon. Parfait. À l'aventure. Là-bas. Il fait très froid. J'ai envie de le faire venir vers nous, en fait. On va le faire venir vers nous. Eh oh! Eh, ramène-toi. Faire attention qu'il n'y en ait pas un autre en embuscade. Eh merde, ce con, il a eu peur. T'es sérieux? Sans déconner... faut que je me réchauffe un peu plus par contre. Eau potable. On va se réchauffer en intérieur, genre pendant 2 minutes. Je vais regarder l'inventaire et tout ça. Et après on va ressortir pour chasser le loup. Alors... le temps de se réchauffer. Ouais, ça va vite, ça va. C'est vraiment le temps de se réchauffer. Ah oui, on a ça. Ah bah oui, j'avais complètement oublié qu'on avait ça. Cette chaise là, elle est chiante. Et je le répète, ça me manque un peu les mods hein, quand même. Où on pouvait genre tout enlever, tout ce qu'il y avait au sol et tout ça. C'était quand même pas mal, faut dire. C'était quand même sympathique. On n'a rien d'autre à faire sécher de toute façon. Ça, il faut qu'on en fasse. Bon, ça devrait être bon. Allez. Non potable, 11 minutes. Attends. Pas là, non, c'est une pierre, c'est une pierre. Non, pierre. Il est où? Ok, cool. Vas-y, ramène tes fesses. Ramène tes fesses. On avait vu que la dernière fois, je me rappelle plus vraiment. Il peut passer hein, les portes. Hein. On est d'accord. Hein. On peut très bien passer les portes. Okay, très bien. Ah, attendez. Potable.
fuir. Encore 2 heures de feu, on a assez. Ah, on va boire ça pour se réchauffer. Attendez. Voilà. Je devrais être à l'abri du vent. Ok, parfait. Et ben voilà, ça se passe bien. Faut que je prenne un peu plus l'habitude de t'attaquer les loups comme ça en fait. Genre les... Parce que honnêtement c'est simple. Je crois qu'il y a quoi, il y a 90... eau potable, ok. Il y a, allez, 99% de chance de lui mettre une flèche dans la tête. Quand il arrive en pleine face comme ça. Il y a vraiment très peu de chance de le louper. Hein. Quasiment impossible, j'ai envie de dire. Ok, ça c'est pas un des nôtres. Ça. Donc faut que je prenne l'habitude de faire ça. Parce que c'est vrai que des fois je me complique un peu trop la vie alors que bon. Honnêtement, ça devrait passer. Ok, donc là on a 40 minutes. On va retourner du premier camp. On va faire quelques allers-retours. On va prendre tout ce qu'il y a pour le craft. Parce que j'ai pas pris genre la... vide. Pardon. J'ai pas pris les plumes. Le vent par contre c'est chiant. Après sans me spoiler, genre l'endroit et tout ça, je pense qu'on a fait les zones les plus importantes. Ça vous pouvez me le dire au moins. Honnêtement je pense. Hein, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Comme j'ai dit, il doit... On va le prendre avec nous ça aussi. Comme j'ai dit, je pense pas qu'il y ait plus à faire, plus à découvrir dans la zone. Après je peux me tromper mais... Ça m'étonnerait. Alors ça c'est pour faire des balles. Je sais pas si on peut faire des balles. Ah, le métal, on va peut-être en avoir besoin. Là-bas, il y a des nautiques déjà. Je sais pas si on a des kits de couture là-bas, par contre. Prends ça. Store, prend à 100%. Ok, très bien. Voilà. Donc ouais, je sais pas vraiment si s'il y a grand chose à regarder. Je sais, on est quoi? On est même pas encore à l'épisode 20. C'est comme d'habitude, hein, de toute façon, à chaque fois j'ai expliqué, les saisons elles marchent comme ça. C'est que tant qu'on a des choses à découvrir, il y a cet endroit aussi, je voudrais bien trouver un moyen d'entrer. On m'avait dit par le toit, mais j'ai pas trouvé de moyen. Enfin bref, on regardera ça un peu plus en détail. Les saisons elles marchent comme ça avec moi, c'est que quand on découvre 5 minutes, c'est bien quand on commence à découvrir les choses et tout ça, les explorations et tout, après il y a le côté survie, après il y a le côté création de d'équipement, montée de niveau, genre dans les skills et tout. Voilà. Mais une fois qu'on arrive à la fin en fait de tout ça, on tourne un peu en rond. Hein, faut le dire. On tourne un tout petit peu en rond. Donc... Merde. Mince. Et en théorie, c'est là où on arrête la saison. Et on en fait une autre, ou alors on la continue plus tard. En gros, ouais. En gros, c'est comme ça que ça se passe.
Ah merde, c'est déjà plein. Oh putain, c'est chiant ça. Il y a quoi dedans qui est lourd? Il y a pas grand chose en fait. On va mettre la branche aussi là que j'ai prise, comme ça j'oublie pas, parce que je vais oublier à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on arrive à un moment, après on commence à tourner en rond et c'est là qu'on arrête quoi. Ça c'est bien. Ah oui, on avait des trucs à récupérer, des branches et tout ça. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Non, on a fuit de flash fuite. Je pense pas qu'on ait des choses à récupérer dans les autres, genre les mobilhomes et tout ça. Je suis plus trop sûr, honnêtement, parce que vu que j'ai fait une petite pause entre temps, je me rappelle plus de ce qu'on avait laissé. Je crois qu'on avait laissé des objets, hein. Mobilhome là, ici, et la maison aussi. Je crois qu'on avait laissé. Après le reste, je crois qu'on a rien de vital. Mais là, je crois qu'on a des pots. Et après, il y avait l'endroit où on a tué l'ours. C'était où ça? Ah, c'est là, je crois. C'est ici. Peut-être qu'on fera un tour pour aller regarder tout ça. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est genre 100% d'exploration de la zone. Mais je sais même pas si on peut le voir, combien on a d'exploration. Enfin, genre illuminer toute la zone à la limite. Mais bon, ça honnêtement, c'est... Alors, c'est pas vraiment mon kiff de le faire. Et encore une fois, la chose, c'est que en intrus, c'est extrêmement, extrêmement chiant à faire. Pourquoi? Parce qu'on a le problème du froid. Donc on peut pas vraiment enchaîner les charbons. Trash, on mettrait bien l'un sur l'autre, là, avec le mode, ça aurait été cool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas vraiment très très intéressant à faire. Voilà. Ah oui, on a les corbeaux ici maintenant du coup. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas jusqu'à combien de temps je vais pouvoir tirer en fait cette nouvelle saison, parce que c'est qu'une seule zone. Attends, 48, 48. Parce qu'encore une fois, c'est qu'une seule zone qu'on a. Oh, il fait pas froid du tout. On va peut-être aller récupérer du bois à l'extérieur. Ou alors chasser un autre loup, je sais pas. Voilà. Donc ouais, bon, on va voir. On va voir. Et aussi, je fais jamais d'ellipse dans le jeu et tout ça, sauf si on fait des gros crafts. Ah putain, mais j'ai encore des objets là. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Ah, mais j'ai des massettes ici aussi. Ah, mais ça tue en fait. Je m'étais vraiment préparé. J'ai des pare-balles. Après, c'est vide. Ah, ok, non, c'est pas complètement vide là encore. Voilà. J'essaye de faire un truc sympa, hein. Désolé, à chaque fois je... C'est mon délire. Qui est
très bien. Mon délire de faire ça à chaque fois. On pourrait faire des flèches hein, pendant qu'on fait à bouffer. Hein. C'est vrai que je le fais pas, mais bref. Allez, on avance. On va essayer de récupérer du bois un peu. Mais ouais, on pourrait ouais, faire le tour. Puis après, bah on arrêtera. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une autre saison et tout? Moi, j'aime bien, en fait, continuer The Long Dark. Mais une fois qu'on a tout fait, c'est un peu... voilà, quoi. Après, j'avais bien aimé le fait d'avoir commencé une... Attends, on a même pas froid. Commencer une survie personnalisée avec la nuit et tout ça. J'ai bien envie de retenter le coup, retenter l'expérience. Je regarde si on a des loups, puis après je voudrais casser du bois là. Si ça dure pas trop longtemps la casse. Genre faire des bûches. J'ai l'impression qu'on est tranquille là. On va peut-être en profiter, surtout qu'il fait pas froid, c'est surtout ça en fait. C'est vrai que j'avais bien, bien aimé. Le début était un peu relou. Excusez-moi, je perds ma voix. Parce que c'était tout le temps dans le noir. Enfin, c'est dans le noir, oui, c'était le but de la saison précédente, hein, tout le temps être dans le noir. Mais on voyait pas grand chose. Et ça s'est amélioré avec les mods. En fait. Ça s'est vraiment amélioré avec les mods. Donc je suis en train de me demander si on peut pas retenter l'expérience. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On recommence ou on continue la saison précédente? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué tout ça. Par contre je vais pas avoir. Oui voilà. Encore qu'on n'a pas. Très bien, du coup on a encore 2h30, non, attends, de l'eau, ok, très bien, là on est à peu près 2h, donc on va aller pouvoir couper du bois, enfin, ça y est, il commence un peu à faire froid. Après faire des challenges et tout ça, c'est pas trop mon kiff. Des challenges en survie. Ouais, non, il n'y a personne. Hein. On est tranquille. Par contre, on avait vu qu'un des loups avait attaqué un... Enfin, on a entendu surtout. Un des loups avait attaqué des lapins. Enfin, un lapin. Il y a des lapins ici? Et ça, je me rappelle plus. Hein. Bon, on va faire les bûches. Attendez, on est... Ouais, voilà, là. Genre, hop. Voilà. Là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Trois bûches comme ça, ça c'est bien, ça. Je crois que ça va être la fin, un peu, de notre épisode. J'ai envie d'attendre et de le pousser un peu plus loin, attendre la nuit pour voir si on a une aurore boréale. Eau non potable, très bien. J'ai entendu un truc qui marche. Il y a beaucoup de bruit en fait ici dans cet endroit. Je crois que c'est ça en fait qui me rend fou. Bon là on a une belle réserve de bois. Là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal.
Là, on est vraiment pas mal. 1h40. Coupe potable. On va faire ça. Cuir. Préparer. 15 minutes. Très bien. Il nous en faut combien? Un de chaque. Non. Voilà. Ou alors je... Peut-être que je vais... Je vais dormir, genre... Merde, c'est quoi qui nous manque? À chaque fois je regarde, mais je fais pas attention en fait. Aïe 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 aïe. Raichi. Une heure. Neige dans 3 minutes, ça va. Peut-être que je vais pas dormir genre 20h. Enfin, 20h c'est une façon de parler. On va peut-être dormir suffisamment pour être en pleine nuit. Et voir si on a une aurore boréale. Et si jamais on a une aurore boréale, j'allais dire le week-end prochain. Non, non. L'épisode prochain, on pourra peut-être enchaîner sur l'exploration de ça. Ah oui, du coup, j'ai pas appuyé sur le pad, là. Du coup, ça dit quoi? Ça dit quelque chose de autre que ce qu'on avait avant, ou pas? Ouais, non. Rien du tout. Ouais, non, il nous faut l'électricité, hein, tout simplement. Après, il y a ce bâtiment là. Moi, j'ai vu aucun moyen de rentrer. Hein. Très bizarre. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Attends, on était passé par là? Oui, on était passé par là. Oui, 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 on était passé par là. Je suis pas fou quand même. Oui, parce que là, et après on avait vu que sur le toit on voyait par cette petite fenêtre là. Et voilà quoi, en fait. On voyait par cette fenêtre et c'est tout. Il n'y avait pas de moyen en fait d'aller en bas, d'aller dans cette salle là. Ici, genre passer cette porte, on peut pas interagir avec le cadenas, rien. Cette porte elle est complètement verrouillée. Infirmerie. Hein. Après, est-ce que pendant l'aurore boréale ou est-ce que là on trouvera quelque chose? Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. On est en potable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire du bois, enfin de l'eau plutôt. On a 4 litres, là on a 3 litres. Le truc c'est que si on continue à faire de l'eau, je vais faire que ça. Et on va complètement zapper la nuit. Enfin, faut que je me repose si jamais on a l'aurore boréale qu'on peut explorer un peu. Faut quand même qu'elle soit un peu d'aplomb quoi. Cinquante minutes. Ah, au potable. Ah oui, non, au potable c'est bon. Ok, très bien. Enfin, on peut laisser ça comme ça de toute façon. On va prendre ça. On va manger. On a toujours pas assez de nourriture, j'ai envie de dire. Il nous faudra un petit peu plus. Pour être ok. Il y a les vêtements qu'on peut réparer aussi. Enfin réparer, faut aller récupérer les pots et tout ça, hein, mais on peut. 10 minutes, ok, 20 minutes c'est fini. On va prendre ça. Oh, ça suffit. Normalement,
Ah. Oh, notre épisode va durer un tout petit peu plus longtemps. Notre épisode va durer un tout petit peu plus longtemps. Oh, 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 oh. Merde, ça passe à travers le décor. Oh, ça tue! Ah, bah, désolé si c'est un peu plus long, mais là c'est cool. Ça c'est la machine du coup. Fraiseuse. Alors... Réparer. Réparer la scie à métaux. 20 minutes. Réparer la hache. Oh, yes, 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 on peut réparer tout ça. Matériaux nécessaires, il faut de la ferraille à chaque fois. Ça n'a pas vraiment de sens en fait, parce que ça serait genre mettre de la ferraille sur... Enfin bref. Ok, on peut réparer tout ça et on peut faire des balles ici aussi. Ok, parfait, on peut faire les bombes. Alors attendez, par contre... du coup, si ça c'est ouvert, maintenant je pense que c'est ouvert constamment. Genre, est-ce que ça... Non, non, non. Ouais, non, on peut pas. Ouais, rien du tout. Bon, d'accord. Oula, cette apparition. Qu'est-ce qu'on a à... Un boîtier de contrôle cassé. Ah, ok, on peut le détruire. La torche va s'éteindre, c'est pas grave. Ok, on a de la ferraille. Forge à munitions. Attends, il faut mettre du... Prendre le charbon. Il faut faire du feu. Ouais, vas-y, c'est une forge. Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais fait attention. Alors, donc maintenant, on peut créer ça. Donc, il faut de la poudre à canon, du tissu, des conserves recyclées. Ça, c'est pas très cher. Pour ça, le souche et la soufre. Et soufre, ça, on a, on peut. Après, des morceaux de plomb. Ah oui, mais si, c'est les batteries. Donc, on peut faire ça. Et après, les douilles. En fait, il nous manque les douilles dans la survie. Pour nous, il nous manque les douilles. On les aura jamais. Dans l'intrus. Mais on peut faire le reste et ça pourrait nous monter de niveau et tout ça, donc bon, à la limite on peut faire ça pour le kiff. Désolé si c'est un peu sombre. Mais là, mais ça c'est bien ça, c'est bien. Donc du coup... Genre la scie par exemple. Genre quantité à réparer 20... Un de ferraille réparé. Oh le bruit! Oh le bruit! On a détruit la scie, c'est ça? Non, je déconne. Non, 100%. Ok. Là, on a 9 et 4%, ça sert à rien. Donc, ça, c'est bien. Donc, on n'a pas besoin de. Ah, ça y est, ça s'est allumé. On n'a pas besoin de caisses à outils, vous savez, les bleus ou les rouges, parce qu'on en a trouvé zéro ici, hein, je rappelle. Donc ça, c'est bien. Donc on peut réparer aussi ça, mais bon, là, on a des pierres à aiguiser. Hein, on en a 2-3, je crois. Donc c'est pas la peine, mais on peut le faire aussi. Ça, c'est bien. Du bois. Là, on a une caisse. C'est cool. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut dormir ici? Est-ce qu'on peut pas vivre ici à la place d'autre part? Pas mal. C'est pas mal tout ça.
Du coup, on va tout pouvoir bouger, en fait, dans ce bâtiment-là. Et ça sera notre camp principal, j'ai envie de dire. Mais on va le faire la prochaine fois. On va aller dormir dedans, de toute façon. Ouais, ça va être notre camp principal. Par contre, c'est un peu embêtant que les objets passent à travers le décor. Ça, c'est parce que c'est en surplomb, là. Vous voyez? Regardez, hop. Ça, c'est moche, par contre. Ouais, non, ça, ça m'embête. Je vais... Non, ça va m'énerver. Enfin, ça va m'enlever de mon immersion, ça. Complètement, ça, de voir ça. Donc, on va faire... voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai de la nourriture sur moi. Voilà, donc au lieu... je préfère mettre tous les objets là, qu'on va mettre par terre. Et pas autre part. Pas à l'intérieur, pas là, en tout cas. Bon, ben voilà, on peut mettre notre sac de couchage. Très bien. Et on va dormir ici. C'est là que ça se ferme et qu'on reste bloqué indéfiniment. Ce serait marrant, tiens. Ça serait marrant. Voilà, parfait. En tout cas, ce sera tout pour cette petite aventure. Je suis assez content. On va prendre un screenshot. C'est quoi? C'est F10, F12, je ne me rappelle plus. Ok, je crois que je suis bon. Ce sera pour la miniature. Donc ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc ce qui nous reste à faire, c'est l'infirmerie. Découvrir si on peut vraiment pas y rentrer ou pas. Bah, dites-le moi dans les commentaires, honnêtement. Parce que je crois qu'on m'avait expliqué par le toit, mais le toit, j'y suis allé, il n'y avait rien. Ou alors j'ai loupé l'entrée, mais je sais pas trop. On a fait ça, on peut faire des munitions pour le kiff. En gros, ce serait pour monter nos niveaux. Hein. Ça sert un peu à rien, mais... pardon. Là. Ça serait pour monter... fabrication de munitions. Ça sert à rien, comme j'ai dit, mais bon. Pourquoi pas. Après, aller récupérer les pots pour refaire nos vêtements. Genre, on a dû laisser des pots ici, par là, quelque part. On peut aller attaquer un élan, parce qu'on avait vu qu'il y avait un élan ici. On peut faire ça. Mais je crois qu'on a fait plus ou moins un peu le tour de l'endroit, hein, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Donc, ouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, on verra. Je vais réfléchir sur quoi faire pour le prochain épisode. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, et bonne nuit à tous, on va dormir 8h, c'est très bien, non, 9h, ciao ciao!